Kenji Girac a récemment fait la une des médias suite à un incident où il a été blessé par balle au niveau du thorax. Les circonstances entourant cet événement ont suscité des révélations concernant sa consommation d'alcool et de drogue, ainsi que des tensions dans sa relation avec sa compagne, Soraya Miranda. Selon les informations rapportées, Kenji Girac a d'abord prétendu s'être blessé accidentellement en manipulant une arme. Cependant, il est revenu sur cette version, avouant avoir fait du chantage au suicide à Soraya Miranda, menaçant de se tuer si elle le quittait. La dispute aurait été déclenchée par le comportement borderline du chanteur, qui était rentré chez lui dans un état d'alcoolémie et sous l'emprise de la cocaïne. Le 20 mai 2024, des journalistes de RMC Story ont retracé les heures précédant l'incident. Lors d'un déjeuner avec des amis le 21 avril 2024, Kenji Girac aurait abusé de l'alcool en buvant de la bière, du ricard, du rosé, du rouge et de la poire. Soraya Miranda a précisé qu'il avait consommé près d'une douzaine de verres lors de ce repas à Arcachon. Le journaliste Xavier Benerozo, spécialisé dans les faits divers, souligne l'importance de ce détail. Lorsque votre conjoint ou conjointe compte les verres que vous buvez, cela signifie qu'il ou elle sait que vous avez un problème avec l'alcool. La question se pose donc, Kenji Girac serait-il alcoolique depuis longtemps ? Après ce repas déjà bien arrosé, le chanteur et sa famille sont retournés sur l'air des gens du voyage de Biscarrosse, où la fête a continué jusqu'à très tard dans la nuit.